Rocketman, maintenant. Bien, comme tu voudras. Regarde, le tigre apprécie l'intérêt que tu lui portes, Batman. Il vient te remercier. Ce monstre! Pour te faire payer tes crimes contre la nature, une cage semblable à celle du tigre t'attend à la prison de Blackgate. Assez! C'est bien, mon grand. Entendu, tu l'as bien mérité. Tu ne devineras jamais ce qui m'est arrivé ce soir. J'ai passé la soirée à essayer de me débarrasser d'un pot de colle venu d'une autre dimension. Oui, oui, je suis bien d'accord avec toi. Mais rassure-toi, j'ai réussi à renvoyer ce boulet chez lui. Oula. Alors comme ça, je suis un pot de colle, un boulet, c'est ça? Alors d'accord, Batman, je vais te montrer ce que c'est un boulet! Je suis ton plus grand admirateur. Mon admirateur? Le plus grand de tous! Et comment t'appelles-tu? Mon véritable nom est imprononçable pour les humains. Mais tu peux m'appeler Batmeat! Entendu. Et sur ce... J'ai trouvé ça super cool, ta technique pour désarmer les ninjas. Je parie que tu les battrais même si j'étais trois fois plus nombreux. Je n'ai pas vraiment du coin, je me trompe? Je viens de la cinquième dimension. Les êtres de mon royaume ont des pouvoirs que ceux de la troisième dimension considèrent comme magiques. Un ami à moi de Métropolis m'a un peu parlé des menaces dans ton genre. Mais je ne suis pas une menace, puisque tu es mon héros. Écrase-toi! Laisse-le tranquille, espèce de grosse brute. Hein? Petit Billy Batson? Bon, toi avoir un dernier mot à dire. Oui, un seul. Shazam! Hein? Où est le petit? Je te répondrai juste après avoir fait ça. Beau travail, Captain Marvel. Je te remercie, Batman. J'ai toujours voulu faire équipe avec... Oh! Nom d'un petit bonhomme, c'est un tricératops. Désolé, Batman, je suis un vrai fan de dinosaures. Blue Beetle, à votre service. C'est comme si mes rêves devenaient réalité. Je fais équipe avec Batman. Nous ne faisons pas équipe. Pas encore, en tout cas. J'ai compris. Tu enseignes, je m'instruis. Ce sera instructif pour moi aussi. J'aurais très bien pu appeler Green Lantern à la rescousse, mais je voulais savoir si Jamie avait vraiment l'étoffe d'un héros. Revenu parmi nous pour sauver notre peuple. Dis donc, on dirait que t'es une vedette même à l'autre bout de la galaxie. Je n'ai pas l'impression que ces gens parlent de moi. Coéquipier, pourquoi ne t'inclines-tu pas? Coéquipier? Les gars, c'est Batman. C'est le plus grand héros qu'on ait jamais vu. C'est devant lui qu'il faut s'incliner. Ce que Blue Beetle essaie de vous dire, c'est que maintenant qu'il est revenu, Kanjaro sera certainement vaincu et votre peuple sera libéré. Non, c'est pas ce que j'ai dit.
Et d'abord, pourquoi est-ce que tu les encourages? Longue vie à Blue Beetle! 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 Longue vie! J'ai réussi à battre un super vilain. Je suis trop fort. Génial. Je vais devoir gérer ça maintenant. Tu as sauvé notre peuple. Mais le plus important, c'est que tu nous as appris à nous défendre seuls. Quant à toi, Batman, tu as prouvé que tu étais un bon coéquipier. Ton intervention sera commémorée à tout jamais. Au moment précis où minuit sonnera, vous serez tous les deux, comment dirais-je, capote. Il ne faut surtout pas que je sois en retard pour mon prochain forfait. Je vous dis donc, auf Wiedersehen. Vous en sommes à combien? C'est la cinquième ou la sixième fois en quelques années que je tombe dans un piège mortel à cause de toi? Oh, ça va, j'ai dit que je m'excusais. Le bouton est à ta droite. Et comment j'aurais pu deviner que sa montre contenait du gaz soporifique? D'abord, ça t'arrive jamais de faire des erreurs. A priori, j'en ai fait une en croyant que tu pourrais m'aider à arrêter l'horloger. Allez, continue à te plaindre. Pendant ce temps, moi, je vais passer à l'action. Activité sismique. Épicentre, 2500 km au sud, près d'Atlantis. Je vais aller voir ça de près. Rendre visite au royaume d'Aquaman est toujours synonyme d'aventure. Et c'est ainsi que j'ai réussi à repousser l'invasion des Anémenos. Je raconte en détail cette aventure dans mes nouvelles mémoires. Aquaman est le roi d'Atlantis. À ce titre, il protège le monde des océans. Mais parfois, même le protecteur a besoin de protection. Aquaman, tu es blessé? Oui. Je suis blessé que tu ne m'aies pas prévenu que tu passais chez moi. Comment vas-tu? Un instant. Quelqu'un d'autre a envie de venir te saluer. Flouk! Regarde, il est tout excité. Flouk, le dauphin le plus odieux de la planète. Bon sang, c'est incroyable ce qu'il t'aime, Batman. Tu peux lui demander de lâcher mon costume. Oh, nom d'un petit Neptune, sois indulgent, ce n'est qu'un bébé dauphin. Allez, va le chercher. Content? Quelqu'un veut t'éliminer. Oui, ça arrive en permanence. Des bandits viennent souvent ici pour prendre le roi des poissons pour cible. Le ventre d'une baleine, ça ne peut pas être pire. Et vous vous trompez. Je ne sais pas ce qui vous a pris tous les deux, mais il va falloir être meilleur que ça. Ah.
C'est incroyable, je ne peux pas y croire. Alors c'est comment le ventre d'une baleine? Je crois que je ne mangerai plus de calamars pendant un moment.